Review Transformer MicroMaster Battle Squad. Donc on se retrouve avec des MicroMaster un petit peu particuliers puisqu'il s'agit là de combineurs. Donc déjà on a un avion. Voilà. Donc c'est sûr, bah, c'est du MicroMaster, hein, donc c'est un petit peu pâteau, hein. Ici une Jeep façon Hummer avec un tank, avec cette fois-ci, voilà, cette partie-là fonctionnelle. Et ici un véhicule blindé avec un canon. Particularité de cette gamme, c'est de pouvoir se combiner et se séparer. Donc ça me permet comme ça de faire des choses un petit peu farfelues. Donc l'arrière de l'avion avec le petit véhicule blindé. Je vais prendre l'avion sur le char et l'espèce de Hummer avec le canon. Donc voilà, quand vous avez différentes gammes, hein, vous pouvez comme ça les mélanger, vous vraiment obtenir des trucs un petit peu foufou. Bon. L'idée est sympa, après certains rendent nettement mieux que d'autres, mais bon, c'est assez agréable. Alors dans les véhicules, on va les remettre ensemble et je vais tous vous les présenter. Vous avez le chef de la bande Meldo, donc assez succinct, hop, on fait sortir les jambes. Et ici, on a les bras, donc jambes un petit peu indépendantes, hein, même si ça va pas très très loin de ce côté-là. Half-track. Voilà, comme je vous avais montré, ça peut tourner et également monter. On tire. Voilà, les jambes. Le devant, ça va entre les canons. Pareil, jambes indépendantes. Direct hit, le petit Hummer, enfin le petit véhicule blindé, pardon. Vous l'avez ici, toujours de la même manière. Voilà, jambes indépendantes, les bras. Sauf que la tête, cette fois-ci, il va falloir, hop, tirer. Donc on peut voir tout de suite bah, les picots hein, qui permettent d'assembler hein, les différents véhicules entre eux. La partie véhicule avec le canon. On décale toujours. Et là, les jambes, enfin les bras. Par contre, les jambes sont d'un seul tenant. Ensuite, on a Fireshot. Donc on décale. Si ça fait la mise en point, ça sera pas mal. Ici, pour les jambes. Vous avez hop, la tête à sortir et les deux bras. On finit par le sixième et le dernier Vanquish. Voilà les jambes qui seront elles encore indépendantes. On replie les ailes et là vous avez les bras. Donc une équipe de tremplin-mort assez agréable avec effectivement la bah, possibilité de combiner entre plusieurs séries de véhicules. Allez, on se retrouve à une prochaine review très rapidement.